Bonjour à tous. Il y a quelques mois, nous vous avions parlé du tout nouvel album de Daniel Lévy. Un album éponyme donc qui porte son nom, un album mis à nu. Un album très jazzy, très world, pas du tout variété comme on aurait pu peut-être s'y attendre si on s'était arrêté à l'image qu'il avait pu nous renvoyer dans Les Dix Commandements ou encore dans le fameux titre Ce rêve bleu d'Aladin de Disney. En effet, Daniel Lévy n'est pas qu'un interprète, il est également un auteur, un compositeur, un pianiste et c'est toutes ces facettes qu'il nous propose de découvrir à travers donc cet album, mais aussi et surtout à travers ses concerts, puisque c'est là qu'il faut découvrir les artistes et en chair, en os et en ce qu'il concerne, en voix. Il sera le 15 mars à Nice au Casino du Palais de la Méditerranée, mais aussi le 25 avril à Marseille à l'Espace Julien. Alors pour la séquence 1, chers amis, je vous fais un petit coucou et puis je vous rappelle la sortie de mon disque. C'est moi là ici. Et il y a une quinzaine de titres à découvrir, à écouter avec modération ou avec excès, comme vous voulez. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. Là, je fais des confidences, je dis un peu par quoi je passe, mes épreuves, mes aventures, mes grandes désillusions et puis mes espoirs extraordinaires, parce que c'est un album très positif. Il passe par la réalité de ce qu'on traverse, qui n'est rien d'autre que la réalité des choses, mais la réalité est belle, elle est tout souvent accrue et abrupte, mais elle est belle. Rien n'est plus beau que ce qu'on vit, et rien n'est plus beau que la vie, quand bien même elle est quelquefois un petit peu difficile à traverser, mais rien n'est plus beau que cette grande aventure qu'est la vie. La moitié des chansons, je les avais enregistrées sous un format différent, avec des arrangements différents. Et puis avec le temps finalement et la réflexion, j'ai pensé que j'avais besoin de moins de sophistication au niveau des arrangements et que un habillage plus dépouillé. On est encore dans le paradoxe. C'est-à-dire que moi qui aime bien la tenue et la réserve et pas forcément l'impudeur, finalement c'est une forme d'impudeur finalement, que de livrer les chansons sans sophistication, assez nues, assez épurées, et il en ressort que les mélodies prennent plus de force et que la voix est peut-être plus mise en valeur. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie. C'est vrai que c'est devenu très compliqué de faire un disque. Et que aussi vous avez dit que c'est un art, il ne faut pas l'oublier, que j'ai essayé de le penser comme ça vraiment, ce disque-là. C'est vraiment sans contingence aucune, c'est-à-dire faire la musique que j'avais envie de faire en essayant d'aller au bout. On n'est jamais au bout parce que quand on est exigeant, perfectionniste, on est dans un autre domaine. Le perfectionnisme, on rentre dans le domaine de l'orgueil. Mais dans l'exigence, c'est quelque chose qui se doit d'être fait au maximum de nos possibilités. Chacun. Yeah.